Eh bien, salut à tous, c'est Gizmo. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Dofus. Donc, on est toujours avec notre F4 qui est juste là. Il y a un peu de monde. C'est cool. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis pas. Sorti qui vient d'arriver. On baisse ça et on met la vue normale. Donc, comme j'ai dit, on a un peu augmenté de niveau. J'ai toujours rien monté. Je pense que je vais monter feu. Donc j'ai un peu farmé donc les quêtes que enfin les quêtes d'Incarnam. J'ai réussi à avoir pas mal de ressources. J'ai crafté un peu de pain aussi. Ça c'est une. J'ai fait une liste, vous allez voir pourquoi. Donc on va d'abord monter l'intelligence. On est à 75. Les sorts. On a débloqué quelques nouveaux sorts. Donc une glyphe R que je vais changer de place d'ailleurs. On va mettre ça comme ça. Parce que c'est toujours pratique. Paf. Que non, là. Voilà. Donc j'ai mis je mets les sorts utilitaires en bas en général, les sorts d'attaque en haut, pour le moment. Donc on a monté l'intelligence, donc on va taper plus fort avec attaque naturelle, c'est cool. Et donc là on va faire la quête Boon un jour, Boon toujours. Et pour crafter pour la première panoplie. Et oui, comme je voulais montrer ça aussi, comme on peut le voir, j'ai réussi à drop quelques trucs que je vais pouvoir mettre. Là, je peux mettre les bottes, je peux mettre et l'anneau. Bah, j'ai pris le meilleur. Attendez, peut-être pas. Oui. C'est ça, se vaut, c'est pareil. J'ai ça pour le moment, mais bon, bref. Là, de toute façon, on va changer. On va pouvoir mettre trois items de la panoplie Boon. On verra quel est le meilleur au niveau des caractéristiques. Donc, d'abord, on va se dépêcher. On va aller faire. Donc, on a le plus 1, plus 1, pardon. Pas plus 2, on apprécie les blagues. Et le Smems. Smesme. Des bons noms quand même. Hein. Donc voilà. Donc là, on a fait ça. On va aller faire la cape, la coiffe, la ceinture et les bottes. Et après, on ira reparler à le Berbe, qui est la personne à qui on doit. Enfin, qui nous donne la quête. Donc on va aller lui montrer tout ça. Donc, oh, j'ai pas assez, j'ai mal compté, je suis un idiot. Le Flood, c'est bon. On va faire ça et ça, normalement on peut, les deux. Ah non, on peut pas du coup. Donc il m'en faut 6, il me faut 2 fois 3, il m'en reste qu'une, il faut que j'en drop 5. Donc on va aller drop ça vite fait rapidement. Ça va pas prendre très longtemps normalement. Ça se drop assez facilement, ça va être sur les. Enfin, si on arrive à trouver des monstres, parce que là il y a du monde. Ce qui est pas mal. Voilà, sur les feux. Feu follet, feu furieux et feu. Le troisième, il y en a trois différents. Ouh, mode tactique qui est plus sympa. Et on va pouvoir voir combien on tape. Bon, là, il a 50% de résistance feu, donc c'est pas forcément représentatif. Quelqu'un qui a 27, tape du 24 à 20. Bon, ça va. C'est pas trop mal. On en a drop une. Il nous en faut 5. On continue. Donc voilà, bah on va. Je vais passer, hein, je vous ai pas montré toutes les. Tous les moments de farm, parce que c'est pas forcément super intéressant, on va pas se mentir. C'est même voire plutôt chiant. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose là? Bah, le plus 1, on peut le mettre. 5 force, 5 d'agité, toujours ça, même si on tape pas R ou R. Toujours mieux que l'anneau qui donne 1 de vita, 1 d'ini. Et il nous faut trouver les monstres. Et attendez, par contre, on va faire quelque chose. C'est dans options, faut que je retrouve où c'est. Non, non. Oui, est-ce que c'est. On va afficher la grille sur la carte, ça sera plus simple pour. Enfin, c'est mieux, je trouve. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Peut-être dans fonctionnalité. Afficher personnage de transparence, voilà, beaucoup mieux. Merde, oh, je suis un gros con. On affiche personnage de transparence. PvP m'a utilisé en affiche. L'ordre de jeu sur les. Attends. Oui. Au survol, affiche la prévisualisation des dégâts, c'est intéressant. Enfin, c'est bien. Elle, l'alignement, on s'en fout. Hop. Et interface, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc. Pas les insultes. Mais normalement,
Putain, on va juste vite fait prendre le combat rapide. J'espère qu'il va pas le prendre celui-là là. Il va le prendre, non, salaud. On peut rejoindre. On n'a pas eu le temps. Donc on va quand même essayer hein, d'en trouver. C'est sur la route des amas, donc c'est sur cette ligne-là, sur la carte, c'est bon qui est là. Ah ouais, mais il y a pas mal de bots qui forment. Je sais pas si c'était un bot ou pas, je crois pas. Et ici, ils sont en plus que un, il est pas tout seul en général. Bon, on va attendre que ça repop, hein. Sinon, on essaiera d'aller faire quelque chose. Ah, il y en a trois, c'est sympa. Paf. Et là. On a ouais, feu follet, feu de joie et. 54, là il a 0, donc on va prendre ça parce qu'on vole l'intelligence. Là. Pas de chance. Pas de chance. Vraiment pas de chance parce que toi, ça va tuer parce qu'il fait. Ah, il a trop de résistance. Donc là, on se rapproche juste de l'autre et on va pouvoir le tuer. Paf. On a un drop 2. On en fait 4, il nous en manque 2. Allez, on va y arriver assez vite. Oui, donc j'ai pas, j'ai décidé de partir feu. S'il faut, on pourra reset. Ça dépend, on pourra stat. Ça dépend de quel thème, mais il y a plusieurs façons. Là, par exemple, en Carnam, on peut le faire tant qu'on est assez bas niveau. Avec le PNJ qu'on vient de croiser, je vais vous le montrer après le combat. On va faire le défi au cas où. Hein. Pour un défi compliqué. Tuer celui. Puis celui-là. Et on attend le dernier. On va reculer. Hop, voilà. Là, normalement, on en a au moins deux. Ouais, c'est ça, on en a au moins deux. Donc, on est tranquille, on peut faire. Si je me rappelle bien, il faut la cape et. Bottes. Semble. Enfin, les bottes, les. C'est plus des tongs. Donc, on est parti. Paf, paf, paf. J'ai fait quasiment toutes les quêtes. Pas toutes, mais presque. Je finirai les autres en off. Parce que sinon, ça va être. C'est pas très intéressant. Donc ça, il nous fallait les incrustes. Voilà, donc des espèces de claquettes. En claquettes chaussettes, tout ça. Et la caps lock. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre la slock. Est-ce que c'est intéressant de mettre la persiste de vie? Qu'est-ce qu'on gagne en intel par exemple? Là on est à 113 d'intelligence. On passe à 116. On va mettre ça pour le moment. Les invocations, on s'en fout un peu. Parce qu'on n'est pas une classe qui a une classe pardon, qui invoque beaucoup. Donc là, on va montrer tout ça à Berbe Nain. Nain Berbe d'ailleurs. Le bon verlan, les bons jeux de mots en Kama. Et donc là, il y a des trucs à finir encore. Mais je voulais voir si c'était possible d'aller faire le donjon. Pourquoi pas faire le donjon dans cette vidéo? Premier donjon du jeu. Enfin, un donjon très compliqué, mais maintenant, enfin, depuis la 2.0, les mobs, enfin, les monstres tapent quand même beaucoup plus fort. Nous aussi, mais ils tapent quand même beaucoup plus fort. Parce qu'avant, c'était. Plutôt entre guillemets le don bah, le donjon on le faisait pas tout seul de toute façon avant hein, fallait vraiment être mais de toute façon on pas on devait l'ouvrir avec des dalles si je me souviens bien en point 29 j'ai envie d'éternuer c'est chiant en vidéo ça pardon donc on va voir s'il y a du monde pour le donjon on va dire hop tiens lui il dit moi enfin il dit qu'il prend le donjon moi Hunter. Pas le trouver. Hunter. Invité dans mon groupe. Un Sadida. 12, 16. Je pense qu'on peut le gérer à 2. Groupe qui est là. Bon. Et 2, tu penses? Ouais, un petit troisième, ça peut être plus sympa. Quoi qu'il y a le duo à faire en lieu, parce que si vous êtes U, on va cliquer là. Puis on fait U. On a des quêtes, enfin des succès à avoir. Par exemple, si on prend les donjons niveau 1,50, le premier, qui est celui qu'on va faire là, la crypte de Kadorim. On a zombie, donc qui a utilisé un seul point de mouvement, premier, mais il y a 6 duos. Et on gagne quand même 23 000 d'XP, c'est pas dégueulasse. Vraiment pas trop mal.
Donc au pire, on fera pas ça, on reviendra plus tard faire les défis, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un est motivé? Ça, hop, un petit troisième. Madame Courage, j'imagine, c'est lui. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il est, le Sadida? Ah, il est là, j'avais pas vu qu'il était là. J'avais vu la bulle vers là, donc je croyais que c'était lui, mais pas du tout. Très bien. Moi, je dis go à 3. Hein. Go à 3, ça va le faire. Encore. On se dépêche. Hunter. Terminé. Ouf. Bon, allez, par contre, ce serait bien qu'on trouve assez rapidement parce que sinon ça va être chiant. Un petit dernier, un petit dernier, un petit dernier. Y'a personne. Pas grave. Ça passe. Donc il a dû rentrer là. Hop. On utilise le trousseau de clé, ce qui nous permet de le faire gratuitement. Et on va vite prendre ça. Hop, comme ça. C'est lui qui attaque en premier. Je le laisse attaquer en premier. Hop. Je sais pas si on fait tous les défis. Attends, ce qu'il veut faire. Tu veux faire les défis à les salles ou le dernier? La dernière, pardon. La dernière. Désolé si vous entendez le bruit du clavier. Hein. Oh, je tape pas trop mal. Je tape bien en fait. Ça va. Il se fait éclater, hein. Attends, je vous avais dit, le chauffeur, il tape vraiment fort. Pour le coup, il lui a mis. Il a mis moins 26 quand même. Hein. Niveau 1, c'est pas. Pas dégueulasse. Bon, il va faire ça. Moi, je peux même pas le taper, c'est chiant. Le taper avec la glyphe. Comme ça, mais c'est tout. Oh, bah, peut-être qu'il va mourir avec la glyphe. Ouais, il meurt avec la glyphe. Nickel, ça. On drop des trucs. Je prends les. J'ai le couteau de chasseur pour les viandes intangibles, ce qui est vachement bien. J'ai léthargie, et ça c'est cool parce que c'est un nouveau sort qui tape bien. Enfin, qui tape assez fort. Donc voilà, il est à 22 à 26, alors que là c'est de 12 à 14, quoi. J'aime vraiment pas mal du tout. Peut-être qu'il. Je vais peut-être lui filer du pain après. S'il faut, je lui filerai du pain, c'est pas grave. Essayez de pas perdre trop de temps. Parce que. Le chrono, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Ça passe vite, mine de rien. Hein. Dame, dame. On va se mettre là parce que les chasseurs éclaireurs attaquent en ligne. Hein, donc on va se mettre là. Et combien de 12. Enfin, qu'il n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de vie. Ça, c'est bien joué. Et bon, je pense qu'on va pas les. On va pas les faire les. On va pas faire les succès parce que c'est chiant en fait. Autant les derniers sont intéressants, autant là à ce niveau-là, ça sert pas vraiment un gros. Moins 40, il a des dégâts quand même, hein, mine de rien. Là faudrait qu'il se décale histoire que je puisse aller taper avec ma bulle. Pas décale. Embêtant. Faut le taper lui. Ça. Hop. Forcément. Où est-ce qu'il peut être? Peut-être là.
Ah non, je suis déçu. Ah, il était derrière. Il avait un coin derrière. Tant pis. J'ai pas vu. Enfin, j'ai pas réussi à le trouver, pardon. Hop. Combien de vie il a? Moi, je suis fou. Mais pas lui. Voici, c'est bon. On y va. On se dépêche. Paf, paf, pouf. Je vais me mettre là. Faut pas qu'il mette sa folle par contre, genre. Je pense qu'on perd du temps avec la folle. Ok, go dernière salle, on arrive. Oui! Calme-toi, Madame Courage. T'es un mal. Y'a un souci. Là, lui va avancer. Ok. Oh, je vais le taper lui, hein, écoutez. Bon, là, je crois qu'ils pourront me toucher, je suis pas sûr, mais je crois. Non, ils vont pas me taper, c'est bon. Je sais plus ce que ça fait, ça. Avant, ça augmentait les points de vie, mais là, c'est 10 dommages du coup. C'est mal, quand même. On va faire ça. Et on va faire ça. Hop. C'est pas moi qui prends les dégâts, on fout. Salut. Et hop, il meurt. Voilà. Je crois que c'est l'avant-dernière. On va go tout de suite. Pas besoin d'attendre non plus qu'il ait tous les points de vie. Pas des grosses salles. On demande. Elle va me bloquer. Oh. Je l'avais dit. C'est chiant. Ok, ça va, je peux le toucher. Bim. Et boum. Faut qu'il en ait un. N'importe lequel, on s'en fout. Là, c'est fort, j'allais dire n'importe quoi. Comment du coup je vais pouvoir aveuglement sur les deux et toucher les deux? C'est une question, mais il m'a répondu ok, donc c'est pas grave. Hop. Et voilà. Ouais, je vais peut-être prendre le coup. Hein, c'est lui. Le bisu. J'ai pas réussi à écrire, tant pis. 16 000 d'XP, on prend, ça doit être un succès, on a fait assez de succès. Il est où? Il est où? Il est où? Madame. Elle était où, madame? Allô, madame? Où t'es? Ça veut dire qu'on va peut-être devoir le faire en duo. Si on le réussit pas, c'est la honte. Merde. Après, on n'est pas bien stuff, hein. On a pas de stuff, tout ça. Là-dessus. Kevin Killer. Ouais. Je pense qu'il a même pas vu qu'il avait un chapeau dans son inventaire, parce qu'il a toute la panoplie, il a pas mis le chapeau. Oh, non, mais. Qui rentre? Dedans. Rejoindre là où était mort. Il veut bien me donner. Moi, je suis chaud pour la mue. Hop. Il n'y a pas de petit profit, hein, les mecs, hein, sur Dofus. Il n'y a pas de petit profit. Donc, si vous pouvez taxer une amulette. Vous pouvez taxer une amulette.
Enfin, n'importe quel stuff, en soi, n'importe quel stuff, on prend. 5 fois 5 intel, 5 chances, c'est parfait. On va dire merci quand même. C'est bizarre. De même. Bon, par contre, moi je suis en train de retourner une vidéo, donc si on pouvait se dépêcher, quitte à le faire en duo. Oh, normalement. Mais au moins le premier. Premier, ça devrait le faire. Après. Et ça devrait le faire. Non. I. Pour inventaire. Et C pour caractéristique. Hop. Pardon, j'ai quasi roté. 5 à mettre en intelligence. On prend. Et là, on gagne. 121. On a. Attendez, on a 154 de vie sur un intel. Pas si c'est rentable. Voilà. Est-ce qu'on lui dit qu'on filme? Peut-être pas. Non, parce qu'après il va commencer à tourner bizarre et faire bonjour maman, je passe à la télé, machin. On connaît les gens. Hein. Donc non, on va pas lui dire. Commence 0. N'a pas trop le choix. Hein. Là, du coup, il me fait perdre du temps sur ma vidéo. Pas très rentable. Joindre. En vrai, ça le fait. Ça le fait. Ouais. Ah. Je peux le toucher. Non, pas le toucher. En vrai, zombie va être compliqué, je pense. Zombie. Parce qu'on est quand même pas assez haut niveau. Et on va essayer quand même au cas où. Mais voilà, c'est ça qui m'embête en fait. C'est ça. Sa créature. Quand même pas mal. Enfin, qui fait quand même assez de dégâts. Et ça, c'est un problème. Et là, en plus, il pourra pas bouger. Il peut pas bouger. Donc, ouais, non, ça c'est terminé. Oh, il a réussi à le tuer. Nice. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien le coup critique qui fait plaisir. Donc du coup, non, ça va être tranquille. Ça va être facile. Hop, on va essayer de voir. On peut le faire ça. Bien. Pas le toucher. Pas le toucher. Ça. Un PM, c'est bon. On n'oublie pas. On n'oublie pas les PM. Ça serait bien, bien bête de les oublier. Ah. Oui, je t'ajoute ami. Ami sans S, c'est mieux. On peut se mettre. Hop. Ouh, nickel. Ouh, j'ai failli cliquer, redéplacer. Aurait été problématique. Donc, attends. Une tor. Ajouter à mes amis. Et voilà mon premier ami sur le jeu. Va mettre quelques petits dégâts comme ça. Ouais, sinon je peux pas le toucher. Bouge d'un PM. Voilà, nickel. Et normalement il le tue. Et on a fini le donjon. Voilà, c'est bon. Donc ça fait masse succès en plus. Quelques poils au menton. Terminé. J'ai même pas regardé combien on a gagné XP. Donc, savoir plus sur lui, écouter la suite. Voilà, on a passé un niveau parce qu'on a fini. Hop. Et voilà, on est bon. Donc là, on peut accepter tout ça. Il nous manque 18 000 XP. Voilà, on va monter un ou deux niveaux, je pense. Plus même. On dit combien? On est. En plus, son orthographe est bien. Merci. Non, pas Méric. Merci. Je fais au maximum. Même vous, vous pouvez le dire parce que j'ai dit ami sans S. Hein. Peut-être que je lui dirai, tiens. Peut-être que je lui dirai. Big up à toi si un jour tu regardes cette vidéo, Hunter. Laisse un commentaire et un pouce bleu. Technique des YouTubers.
Donc, on est niveau 18. Hop, je lui réponds quand même. Et on accepte tout et on passe niveau. Voilà. 21, donc on est passé. On a gagné 3 niveaux. Je déco. Je reviens plus tard, on va dire. Tu es toujours là. Et voilà, on s'est fait un nouveau copain. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On a fait le donjon, on est content, on a réussi. On va vite fait monter l'intelligence jusqu'à. Là, on a. Bien, on a 20 points à monter, bah on arrive à 100, 100 piles d'intelligence. Là, ça va commencer à coûter 1 pour 2, donc ça va être plus chiant. Ce soir, je serai à un concert, mais oui, d'accord, ok, très bien. À tout à l'heure, peut-être. Il est gentil, Hunter, il est gentil. Big up à toi si tu regardes la vidéo, vraiment. Donc, c'est bon, on a fait le donjon. Je vous laisse pour cette vidéo, parce que ça... j'avais dit que je ferais une vidéo moins longue. J'ai pas réussi parce que. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir à moi et à mon frère, même s'il n'est pas dans la série. Mais ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à partager si vous voulez inciter ou... Ouais, c'est ça, inciter des gens à commencer, à commencer ou recommencer Dofus. C'est vraiment un jeu qui n'a pas l'image qu'il devrait avoir. Hein, on a la communauté, enfin on a l'image de Dofus, c'est pour les enfants. Alors que non. Pas tant que ça, mais pour le moment ça se voit pas trop. On verra ça plus tard. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Salut tout le monde.